Projet Bourse Photo Villeneuve, action. Action, comme vous dites. Ici, vous avez à peu près 150 ans de l'histoire de la photographie. Les plus récents sont de 1960 et les plus anciens, c'est 1845. Je suis toujours à la recherche du mouton sympathe et d'une rareté. Bon, sinon, vraiment, on a une bourse ici à Villeneuve-Tolosane qui est magnifique. On refuse énormément d'exposants. C'est vraiment un succès depuis quelques années qui se maintient. Alors que d'autres bourses périclites ici, ça marche toujours fort. Et on est très heureux de soutenir cette bourse et de monopoliser un petit peu un certain nombre de ressources pour assurer le succès de cette bourse. Passé chez SAFSCA. Bonjour, vous êtes sur le stand de la SAFSCA qui d'ailleurs va changer de nom, qui va s'appeler la Société des Amis de Collection Appareils. Donc on est présent sur les bourses photos et notamment depuis la création ici de la bourse de Villeneuve-Tolosane. Le site par lui-même a une portée internationale puisque nous sommes lus à peu près dans le monde entier et nous avons été obligés donc d'avoir une version anglaise et nous faisons appel en cela aux spécialistes de la langue de Shakespeare pour pouvoir traduire les pages en français de telle manière que nous puissions toucher le plus grand des publics. Première. Donc nous avons amené sur le stand en avant-première nationale le nouveau Pentax K1, donc l'appareil que les Pentaxistes attendent depuis plus de 2 ans. L'exemplaire qui est sur le stand est un modèle de pré-série, donc pas complètement finalisé mais que les clients peuvent manipuler. Nous avons pu prévenir par mail beaucoup de gens qui sont venus spécialement tester le Pentax, comme monsieur qui est ici en fait. Et donc c'est un boîtier qui était un petit peu l'arlésienne des pentaxistes, mais qui enfin est disponible. Donc pour ceux qui se posent la question, la démonstration Pentax Internet n'est pas bidonnée. Effectivement, la fixation de l'écran arrière est une fixation qui peut porter 80 kg en fait. Donc c'est écran orientable complètement sur 5 axes. Et le capteur est stabilisé de la même manière en fait que l'écran arrière. Voilà donc la belle bête. Arnaud, moi je suis là depuis les tout premiers pour faire des verres dépolis, soit pour les vieux appareils qui ont été cassés, soit pour ceux qui veulent faire du collodion par exemple maintenant. Et donc ceux qui ont besoin de verres dépolis, ils peuvent venir ici et ils repartiront avec un verre dépoli. Une animation gratuite pour tous ceux qui en ont besoin. Donc le verre dépoli, on part d'un verre qui n'est pas dépoli bien sûr. On met quelques gouttes de carbure de tungstène, un tout petit peu d'eau et après il suffit de frotter avec un autre verre et au bout d'un moment on obtient un dépoli. Bon là on ne verra pas mais une fois que c'est nettoyé on a un beau dépoli. Coupé aux dimensions. Bon, moi c'est Julie, donc je fais de la photographie de rue. C'est pour un portrait unique, mais un peu typé à l'ancienne. Donc il suffit de s'asseoir devant la machine, la grosse machine qui est là. Je vous prends en photo après un temps de pause un petit peu long, on dira d'1 seconde. Et je développe le portrait directement dans l'appareil. Ah oui, là il y a le révélateur, là il y a le fixateur, et là il y a le papier. Ok. 1, 2, 3. On arrive ici. Et voilà. Photo, Alain Cunac, président. Première. 5e. Voilà, donc c'est la 7e pour ce photo, organisée par le club Loisirs, Culture et Montagne et Histoire. En liaison avec le club photo L'Image au pluriel de Villeneuve-Tolosane. Voilà, nous aidons à participer à ce club. Donc dans cette salle, vous pouvez voir une trentaine de photos, qui sont des photos faites par le club. Dans la salle du théâtre Marcel Pagnol, nous avons des projections de montage audiovisuel. Et dans la salle à côté, c'est le studio photo des membres du photoclub qui ont installé leur studio et font des photos pour les personnes qui veulent se faire prendre et tirer le portrait. Cheval de dos. Dernière. Ils sont infernaux. J'ai une équipe. Ils sont infernaux. Et en plus, ils pensent que c'est rigolo. Ils étaient une fois dans l'ouest. C'est pour ça. Mais si, c'est rigolo. Ouais. SAFSCA. Mais on va changer le nom, vous allez voir, je vais vous dire tout ça. Vous y allez sur moi? Prêt? Allez. SAFSCA. Oh putain. SAFSCA. C'est pour ça qu'on va changer le nom. Aïe. SAFSCA, première. Ça tourne. À chaud. Hein. À chaud. Pour sa photo, Alain Cunac, président. Première. 5e. Tu vas leur retrouver ton copain. Les copains, tu viens. T'es censé être quoi, toi? Le mec qui fait le film? Allez. Ah ben, il va trop rapide le film. Mais c'est justement, c'est hilarant. Allez. Le gars qui après va essayer de détourner la réalité et après attaquer. Là c'est ça les amis. Ça fait... hein, voilà. C'est magnifique. C'est pas mignon là? Donc, très bien. Oh, t'as le plus haut trio qui existe. Écoutez le trio. Le trio infernal. Voilà. Allez, fonce. 5-3-1, Myriam. Voilà. Bon, ça y est, ma claque. Tu nous as eu. On est magnifique. Claque de fin. Non mais c'est bon. Non, non, non.